The President, please be seated. The court is now in session. L'audience est reprise. The following proceedings is reserved for the rebuttal session. Nous allons maintenant passer au stade des répliques. If the civil or the parties would wish to make their rebuttal statement, then they could do that in répliquer. The following session. And to make sure that the proceeding moves more smoothly, the chamber would like to remind the parties that during their rebuttal statement, their statement shall be focused on the object of the judgment. Les questions à trancher dans le cadre parties du jugement. Shall respect the rights of the others, including that of the accused. Parties have to be mindful of their attitude and behavior while making such a statement. Parties are reminded to réfléchir à leur comportement au moment de leur intervention. Upheld their ethical code of conduct and be professional, and that only the matter of the fact and the legal matters are to be made in such statement, and parties are to be mindful of their allotted time also. And to be more effective and efficient, and so that this direction can be well implemented, the chamber reserves its right to interrupt or to cut any rebuttal statement that the chamber finds inappropriate. Et si elle considère que les propos de la partie en question ne sont pas appropriés. Do the civil party lawyers avocats des parties civiles wish to make any rebuttal statement in response to the oral closing statement made by the defense counsel? The civil party lawyers of the four groups have 1 hour altogether to make such statement. Conjointement pour faire Mr. President, I'm grateful. All four civil parties. Maître Karim Khan. All four civil parties intend to make submissions in rebuttal within the 1 hour that's been allotted. Mr. President, your leave. I will start first. I have been allotted 20 minutes. 5 minutes have been given by civil party group number 4. Mr. President, your leave. I would ask to proceed. Si vous voulez bien donc, je voudrais maintenant parler, Monsieur le Président. The President, you may now proceed. I'm most grateful. Mr. President, merci, Your Honours, Madame, Messieurs les respected juges, counsel for the defence, learned prosecutors, mes chers confrères, and my fellow lawyers Madame for the civil parties, as well, of course, the members of the public and the people of Cambodia et, that have taken the time out of their busy schedule qui, to listen to these ici final remarks. Et it is a long path that has been walked since any survivor que left a fait un S21. Chemin depuis que les quelques survivants de S21 ont quitté les lieux. And it is at the end of this road that it is hoped et that justice chemin, nous espérons will be obtained. Que justice sera
But Your Honours, before I go into the substance of my rebuttal, I think it's only fair, with your leave, to acknowledge, as it is my old friend Mr. Roux's last occasion in robes, the elegant and useful submissions that he has made throughout these proceedings. He has, if I may say so, and I believe it's a sentiment shared by all civil parties, brought a great deal of wealth, of experience, charm, as well as ability to the conduct of his difficult task. Your Honour, there will not be any philosophy from me, nor will my submissions be anywhere near as erudite Je ne vais pas non plus me montrer aussi as the submissions put forward by Mr. Roux. Que ne l'a été Maître Roux. My task, Your Honours, is to seek to focus on some evidence that may assist Your Honours in determining the truth, so that the claims of my civil parties can be once and for all, finally, fully, and properly determined. Your Honour, it is of course a singular honour and a right, of course, of the accused to be represented by the most able of counsel. That right has been granted him. But the focus of these proceedings is on the conduct, the character, the evidence, and the guilt or otherwise of the gentleman that sits in the dock at the moment. Now, Your Honours, there's no soft way to put this, but it is my respectful submission that the accused in this case has sought to ride two horses. The events of yesterday cannot be easily swept under the carpet. At the last possible moment, as Mr. Roux said, yesterday things changed. They did indeed. Because in place of what was viewed as a full, as what was viewed as a guilty plea in material respects, we heard that in fact the accused is seeking to be let free. He is complaining about the very fact of prosecution against him. Puisque les poursuites même intentées contre l'accusé ont été remises en cause. Your Honour, there are two completely different positions being put forward by the defence that sit opposite. This is unfair. De l'autre côté de this is unfair to the people of Cambodia. It is unfair to the victims. Cela n'est pas juste and it is unfair to Your Honour's search for the truth. Pour ce qui est de la manifestation de la vérité. Your Honour, there is no provision similar to Rule 71, dealing with notice of disagreements between defence counsel. Your Honours, that may be for a number of reasons. But perhaps one of them is this, that as opposed to the co-prosecutors, the co-defence counsel have a client, and the client can give instructions. And it is by that mechanism that inconsistencies and friction and completely contradictory accounts can be reconciled should the accused wish such reconciliation to take place. Now, my learned friend stated that he didn't wish to belabor the bench with a detailed final brief. It was indeed scant in my respectful submission. 16 pages after a trial of 19 months perhaps did not help focus the minds of the defence. But Your Honours, be that as it may, the result of all of this is that for the first time the civil party that I represent is being faced with a fundamentally different position and has 15 or 20 minutes to respond to it. That is unnecessary. And indeed, however unfortunate it may be, whatever the reasons behind it that may emerge,
It also has an aspect that could well amount to an abusive process. Pourrait très bien représenter un abus. Now, Your Honour, my learned friend, Mr. Roux, mon confrère, with his usual charm and verve, son charme et sa verve habituelle, mentioned that the prosecutor, the co-prosecutors, had lost their date with history. Raté leur rendez-vous avec l'histoire. The co-prosecutors, of course, will speak for themselves. Naturellement, parleront pour eux-mêmes en leur nom. But, and I say this in sorrow. More than anger. Avec tristesse, plus qu'avec colère, it is my respectful submission je pense pour ma part, that the accused avec tout le respect dû, que has missed c'est l'accusé an important opportunity qui a raté une occasion importante to actually speak de clearly, parler unequivocally, clairement, sans ambiguïté, spontaneously, de manière spontanée, candidly, et de manière honnête to the court. À la Chambre. Your Honour, disregarding, Madame, it seems, Monsieur, the invitation that was put forward by the prosecution to freely and openly accept that not only was he de jure, the legal head of S21, qu'il était le directeur juridique, but also that he freely du centre S21 and voluntarily et qu'il a participated in that mean regime, de son plein gré that the accused, you may have noticed, physically turned away during important parts of the submission of the co-prosecutor and turned and intently looked to the right. Instead of responding to the views, the concerns, the pain and the plight of the civil parties, the accused embarked upon what I call a carefully scripted, carefully constructed, paragraph by paragraph, footnote by footnote, statement, perhaps choreographed, une carefully mise en scène, constructed, peut-être, en tout in cas, any quelque event. Chose de soigneusement construit, préparé. The accused himself said yesterday, lui-même a dit hier, and of course, I haven't had the benefit of a transcript, and I stand to be corrected. But, Your Honour, I believe he was describing an incident when he was investigating an alleged shooting, and he looked at a mosquito net that had a bullet hole in it. And in the course of this inquiry, he had cause to speak to the suspect. And the accused stated, well, in the course of that, from the demeanour and the face of the suspect, I could make certain assumptions as to whether or not the truth was being told. Well, Your Honour, if that is correct and the accused has that ability, it is certainly my respectful submission, well within the province of Your Honour's experience, after having gauged the demeanour of this witness these last several months, and after reviewing all the evidence, to make an objective and dispassionate assessment as to his objective et impartial de la question de savoir si genuineness of remorse remords marqués and par his sincerity sincères, or otherwise, ou non, sincère et véritable ou non. Your Honour, contrition is valuable le Président, la contrition for the civil parties I represent. D'utile pour les parties sincerity is valuable. La sincérité and a full and frank account of the truth un récit entier franc de la is priceless. Et sans aucun, et indeed, sans it is the only thing même, that dirais, the gentleman in the dock can offer those civil parties, those civil parties whose lives have been torn, shattered, déchirées, and smashed because of the regime that he operated in S21 all those years ago. Now, my learned friend, Mr. Roux, alors, mon confrère, Maître in an impassioned statement, dans une stated, well, who can dispute tears? Peut, en cause le fait but, Your Honour, tears perhaps are not determinative on the issue of contrition. Les larmes ne sont or the genuineness of remorse. Quant à la sincérité and I pause there for a moment. Ou de la contrition. My learned friend lifted the veil mon confrère a levé le voile quelque peu of legal privilege sur, and sought to give an account of the accused demeanor in private consultations. De dans des consultations. Your Honour, it is my respectful submission that the only evidence that you must consider, and my learned friend himself referred to Rule 87, 87.2 speaks to the issue, the only evidence that is probative and admissible is the evidence that has been tested and put before the chamber. So in this regard, it is my submission.
that the account of Malone and Friend, whilst eloquent, whilst riveting, éloquent, is legally irrelevant. Mais en tout cas, and the same applies to his hypothesis aussi aux of post-traumatic stress disorder. There's been no evidence that I've seen on the issue of post-traumatic stress disorder. This is a court of law, not a forum for unsupported hypotheses to be brought avéré, like the conjurer's rabbit out of the hat at the last moment. Ainsi, and, Your Honours, I'm sure that Your Honours will be alive to that issue at the end of the day. But, Your Honour, to the extent these tears are relevant to the overall assessment, larmes, certes, I believe in the brief closing submissions of the defence, it is said that the accused cried three times. Your Honours, no doubt, have heard an awful lot of testimony. Vous avez aussi entendu beaucoup and Your Honours, even from reading the transcripts et à relire on the many occasions when I was not present in court, reading the transcripts ici, in the sterile environment of The Hague, dans l'environnement stérile de la Haye, it was difficult not to be moved. Your Honours, we referred in our opening speech to the statement of Mr. Hamel. But there are many examples. One is the example of Lei Chan, who gave evidence on the 7th of July. And Mr. President, you will remember, because you very correctly, very compassionately, very appropriately asked the witness, would you care to have a moment to compose yourself? And why was the witness? Why was the civil party so distraught? It was something that appears to be quite small at first instance. It was a question as to whether or not he had had a drink of water. And the reason the witness broke down was his pitiful response that he tried as far as possible to desist from taking water. Because he knew full well that he would be made to drink the urine once it had been digested. Urine. Now, Your Honours, in my respectful submission, alors, the number of tears, the number of le nombre de larmes, how many times the accused eyes welled up can take us only so far. At the end of the day, it is not a matter susceptible to the minds of man to peer into the heart of another individual, to peer into his soul. It is simply not possible. We have heard much of the accused's conversion to Christianity, and in that regard, the well-known Old Testament phrase comes to mind, "Punishment is mine, saith the Lord." Your Honours, all of us, and any that believe in a God of that philosophy, have a belief in a final day of reckoning. But Your Honour, that final day of reckoning is not today. Le jour final. This case calls for a judgment in this world vous devrez rendre un jugement for these crimes, dans le monde d'ici-là, and it is in relation to those matters that Your Honours must seek to discharge your heavy an onerous responsibility, not from some flight of fancy, but by reviewing the evidence and bringing your collective and individual experience to bear. Your Honours, there's an awful lot of issues to cover, and I will move as quickly as I can through them. Your Honour, the accused stated yesterday that a decision as to which path to walk is made in a moment, but the repercussions last a long time. Your Honour, it's important to remember that this is not a momentary lapse that's being alleged in this case that had tragic consequences. It is not the case of an individual falling asleep at the wheel and tragically killing a family of young children. The accused, we say, in the 3 years and 5 months of S21's existence, très court qui s'est produit, mais pendant une période de plus de 3 ans, l'accusé pouvait se reprendre et pouvait changer les conséquences sur les victimes. Il y a eu 12 380 occasions au cours desquelles l'accusé aurait pu choisir une autre route.
Et we say that the accused, as it evidenced yesterday, has been content to leave matters opaque, contradictory, and ambiguous. L'accusé, Your Honor, the issues of yesterday and the submissions of my learned friend Parsifal can be dealt with quite briefly, I hope. On the statute of limitation point, I don't have time to address you, but we will rest on the submissions we filed on the 18th of May 2009. For the reasons detailed therein, we say that the position of the defence is fundamentally misconceived. In relation to the plea ratio materia, the lack of personal jurisdiction because the accused is said not to bear the greatest responsibility, to not be one of those most responsibles, I can't help but allude to Rule 89 that preliminary objections should ordinarily be made 30 days after the closing order. But, Your Honor, be that as it may, there's an awful lot of case law showing that the accused cannot avail himself of any plea in that regard. Peut se prévaloir, et c'est ce que j'avançais dans ce mémoire, Your Honor, ne the peut accused se prévaloir has stated de cet argument through his counsel yesterday à cet égard that he is a victim hier of the court, Madame, messieurs, as merely je he's a loyal servant. Hier que, Your Honor, it's very difficult to reconcile that with il the requirements de of the victims to get justice. Your Honor, there's many, many examples one can refer to, but I don't have time. Acquérir l'accusé vis-à-vis Your Honor, Milosevic was referred to. On that regard, I will simply note that this is the first trial here. Et je dirais que the first trial in the ICTY was Tadic, who was simply a camp guard, and the ICTY, a forum qui a eu lieu that the national co-lawyer for the accused seems to support, clearly thought they had jurisdiction in relation to that case, for an accused lacking far more, having far less responsibility. Parler de cette question de responsabilité. That the accused never sought to blame his subordinates. Well, yesterday, par ailleurs, his co-national on a entendu dire que l'accusé n'a jamais cherché à blâmer ses subordonnés. Your Honor, cependant, nothing could be hier, more in conflict nous avons than entendu that. Le contraire. It said that the accused has no autonomy. And I would refer simply to the 6th of August 2009 transcript, where Mr. Roos talked about Mr. Chandler being a capital witness. And Your Honor, Mr. Chandler himself stated he didn't believe the accused in relation to lack of autonomy. He simply didn't believe him. Your Honor, a lot has been said on JCE. I would simply make the observation in the time I've got left that one case that hasn't been cited by the prosecution at all, and in part this underpins my own position, is the ICTR case of Seromba, the 12th of March 2008. The spelling has been given to the stenographers. And there the appeals chamber stated that it is irrelevant that the accused did not personally drive the bulldozer that destroyed the church. What is important is that he fully exercised his influence over the bulldozer driver, l'église. Who, as the trial chamber's findings demonstrate, accepted him as the only authority. And in that case, the appeals chamber of the ICTR entre le donneur d'ordre et l'exécutant. Your Honor, the defense has sought to make a lot of play about the fact that the accused didn't actually have blood on his hands and could not be found guilty of commission. This authority in my submission makes it clear that one can be found guilty under the jurisprudence of the ICTR for commission in materially identical circumstances as that alleged in relation to the accused. Your Honor, 30 years atténuante. After the events, our civil parties want Madame the et messieurs les juges, they want their lives 30 back. Ans après les they événements, kind of les partis civils souhaitent que simply unacceptable from every angle qu'il y ait cette manifestation de la vérité, qu'on ne reste plus dans cet état chaotique des choses et qu'on ne sait pas ce qui a été dit de manière exacte. Maître Roux a mis en avant le plaidoyer de non-culpabilité. Says release him. He's absolutely not guilty. This is not an Albert Speer case. Dire, this is a unique case that can be described by many objectives, but I will simply say unique. Highly unacceptable et je dirais and que absolutely ceci est tout à fait avoidable. Inacceptable et qu'il faut l'éviter à tout. Your Honor,
truth and justice Madame et Messieurs les juges, la vérité et la justice vont au-delà de toute valeur. C'est le minimum que les parties civiles que je représente souhaitent. Et je m'en remets à vous, Madame et Messieurs les juges, pour trancher. Le président. Next, the civil party lawyer group two, you Nous allons donner proceed. La parole au co-avocat du groupe numéro 2 des parties civiles. Thank you. Good afternoon, Maître Szynski, Mr. President. Je vous remercie. Bonjour, Madame et Messieurs les juges. Bonjour, Monsieur le Président. Je vais m'adresser à vous au nom du groupe numéro 2 des parties civiles. Malheureusement, mon collègue cambodgien a dû partir et nous sommes organisés pour que je parle en nos deux noms the closing statement aujourd'hui. Of the national defense lawyer, la plaidoirie non-guilty pleading, de Maître Karsavut avec and which son represents plaidoyer the absolute de non-culpabilité belief of the accused représentant la conviction absolue de l'accusé représente est une gifle au visage des parties civiles et je dirais par ailleurs gifle au visage de toutes les victimes. Les parties civiles ont été choquées d'entendre de la bouche de Maître Karsavut ce plaidoyer de non-culpabilité. Et un jour plus tard, ont demandé, entendu cette demande d'acquittement. Après que l'accusé et sa défense ont essayé de convaincre to a truthful, sincere, and genuine confession. Il s'agissait de mettre en avant even more convinced après ce qui s'est passé au cours de ces deux dernières journées, les parties civiles sont de plus en plus convaincues que l'accusé jouait à un least, jeu the time has come et to shed the sheep's clothing. Maintenant, nous savons exactement de quoi il est fait. J'aimerais maintenant aborder les arguments présentés par le Conseil cambodgien de la défense hier, justifiant les raisons pour lesquelles il faisait ce plaidoyer de non-culpabilité. Le Conseil cambodgien évoquait la compétence de cette chambre et disait que l'accord entre les Nations Unies et les CETC, que cette loi n'est pas applicable pour ce qui est de juger des représentants du Kampuchea démocratique et disait par ailleurs que l'accusé ne tombait pas dans les catégories de hauts dirigeants et de personnes et de principaux responsables. Le Conseil de la Défense a soulevé une objection concernant la compétence. Concernant la règle, en vertu de la règle 89 du règlement intérieur, de tels éléments ne peuvent être soulevés que pendant les audiences contradictoires. Le 1er avril 2009, j'aimerais rappeler, et que ceci peut être, on peut le trouver à la page 18 à 19 dans la transcription de cette journée d'audience, il est dit que le Conseil cambodgien de la défense ne souhaitait pas remettre en question cet élément. Lorsque je n'ai pas l'intention de remettre en question cette compétence et je l'aurais déjà fait si j'avais souhaité le faire pendant l'audience introductive. Et par conséquent, je n'ai pas l'intention de procéder ainsi. Je voulais simplement que la Chambre souhaite respecter la règle 98.7
if he is not the most senior person, car s'il ne s'agit pas là d'un des principaux responsables ni d'un des plus hauts dirigeants, eh bien cette personne ne devrait pas être poursuivie. J'aimerais simplement me contenter de confirmer quelle est la position pour la considération de la Chambre. Fin de citation. Nous pourrions donc répondre en rejetant cette objection, à savoir qu'elle n'est pas recevable à cette étape des débats. Cependant, si l'objectif est ici de faire observer la règle 98.7, eh bien, nous devons that the agreement between the UN débattre and Cambodia de cela. Ratified by the royal tout d'abord, la loi sur les CETC ratifiée entre les Nations Unies et le gouvernement cambodgien ont été adoptées et entérinées. La loi cambodgienne ne remet pas en question la loi des CETC, car l'objectif est de poursuivre le gouvernement des Khmer Rouge, gouvernement qui était encore en existence en 1998, pour ce qui est de ces crimes odieux, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Par conséquent, cette loi dispose et n'est pas en cela superflue, car elle dispose de ses compétences. La loi sur les CETC a pour objectif les plus hauts responsables et les principaux les plus hauts dirigeants et les principaux responsables dans le cadre de la poursuite de crimes internationaux. Deuxièmement, la compétence de la loi sur les CETC comprend les hauts dirigeants, les principaux responsables. Dans l'ordonnance de renvoi, on considère que l'accusé est un des principaux responsables. Ce terme est un concept indéfini, juridique, qui doit être déterminé par les coprocureurs et c'est à eux de le déterminer plus avant. Il n'y a pas, il n'est pas question de faire appel de ce terme. Il s'agit là d'un nombre de crimes qui sont concernés, de la brutalité des crimes, de la durée dans le temps des activités criminelles et de la mesure du pouvoir que la personne avait à l'époque des faits. Le comité permanent qui était l'entité la plus haute du Cambodge démocratique a, dans le cadre des activités de ses activités en tant que membre du parti, l'accusé a alone these facts easily allow considering him commis des crimes concernant 12380 individus. À ce moment-là, nous en revenons à la définition de principaux responsables en tant qu'instrument. Point suivant, le Conseil de la Défense avance que l'accusé ne fait pas partie, en vertu de l'article 31 de la Constitution du Cambodge, que l'accusé ne joue pas des mêmes droits que les autres Cambodgiens. Le Conseil de la Défense n'a pas bien compris la nature de cet article, car il s'agit là de l'égalité dans le fait d'obtenir et de jouir de droits. Il n'y a pas de garantie ici de droit à, je cite, l'égalité dans l'injustice. Fin de citation. This right does simply not exist. N'existe pas, tout bonnement. In contrary, being au contraire, in an unjust position, le fait de se retrouver dans une position injuste the accused is, et does not allow to claim equal treatment. Comme c'est le cas pour l'accusé, cela ne justifie pas de demander un traitement égal. Et comme il a été établi dans le cadre de l'accord sur les droits civils et politiques, article 28,
On a adopté le 22 août 2004, ce qui suit. Et je cite article 26 de l'accord de cette convention. Cet article ne serait pas fondé même si les situations étaient comparables. En l'absence de droit, je cite égalité dans l'injustice, fin de citation. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la légalité de telle décision ne peut être remise en question sur le fondement de ce manquement d'autorité et relativement à ces cas et à ces dossiers incomparables. Par conséquent, sinon, aucune loi ne pourrait être appliquée et les principes même du droit seraient remis en question. Cela irait à l'encontre de des dispositions de cet article 26 de la Convention. Ainsi, l'accusé avance qu'il ne peut être poursuivi puisque les autres directeurs de prison ne sont pas ou n'ont pas été poursuivis. Je soumets que cela n'est pas justifié. Selon le nombre de prisonniers et selon le nombre de personnes exécutées dans les centres de détention dans le Cambodge démocratique, ne reflète absolument pas la valeur individuelle de chacune des victimes et des proches de chacune de ces victimes. Lorsque et cette dimension humaine n'est pas prise en compte. Hier, on a admis pour la première fois que S21 était la seule prison où des membres importants, des cadres du comité central étaient réceptionnés. Mais il y avait d'autres raisons pour lesquelles S21 était unique. Il s'agissait d'une branche spéciale. Elle travaillait, S21, opérait de manière très étroite avec les hauts dirigeants du pays et sous la supervision directe du comité permanent et du comité central. En dernier, mais pas des moindres, S21 comportait un nombre très important de personnes parmi son personnel sous la direction de l'accusé. Point suivant, le Conseil cambodgien de la défense était fourvoyé en disant que l'accusé n'appliquait et ne mettait en œuvre que des ordres. Mais selon la loi de création de CETC, il est dit que le fait que l'accusé dépendait des instructions ou d'un ordre de supérieur hiérarchique n'exonère aucunement l'accusé de sa responsabilité et ainsi ne l'exonère absolument pas de sa culpabilité. Cela aurait pu être un facteur atténuant, mais jamais un facteur excluant sa responsabilité. Et c'est ce que les procureurs ont étayé par ailleurs, à savoir que l'accusé était absolument pas une victime des ordres, mais un participant. Le fait de prétendre que l'accusé était une victime du régime est une véritable insulte aux victimes et est un point fortement discutable. Par ailleurs, le fait d'avancer que l'accusé était sous la menace et n'avait aucun choix ne permet pas d'arriver à un argument convaincant. L'accusé n'est pas plaide non coupable alors qu'il a précédemment admis la responsabilité de crimes commis sous sa direction à S21. J'ai le sentiment qu'il souhaite profiter de ces deux chemins pour permettre de bénéficier de circonstances atténuantes.
tout en suivant sa conviction dès le départ, de manière à se soustraire à ses responsabilités, en disant que seul Ankar est responsable. Il bascule la responsabilité sur les morts et sur sa foi dans l'organisation, l'Ankar. Et il montre ainsi qu'il est plus loin que jamais de porter la charge de la responsabilité des crimes odieux qu'il a commis. L'utilisation de sa stratégie de défense constitue un exemple extrêmement délétère pour d'autres auteurs de crimes vis-à-vis de cette question de responsabilité, ne contribue absolument pas à la réconciliation nationale. Au contraire, les partis civils qui souhaitent que justice soit faite sont encore plus aliénés et offensés, car la crédibilité de l'accusé est une nouvelle fois remise en doute. Ceci va complètement à l'encontre des affirmations et déclarations répétées de l'accusé s'agissant du remords. Et là encore, c'est quelque chose de traumatisant pour les parties civiles qui demande vis-à-vis des demandes de pardon et des présentations d'excuses de l'accusé. Par conséquent, son souhait de d'être réinséré dans la société doit être rejeté. J'en ai fini avec mes observations et je vais à présent donner la parole à mes confrères du groupe numéro 3. The President, Civil Party Lawyer Group 3, you may je m'adresse au co-avocat du groupe numéro 3 des parties civiles. Je vous en prie, la parole est à vous. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Je prendrai d'abord la parole quelques minutes pour le groupe des parties civiles numéro 3, puis mon confrère Philippe Cannon me succédera. Monsieur Dutch, vous avez eu la parole avant votre défense. Vous avez profité de ce temps d'expression directe devant, durant ce procès, de la publicité de cette audience de plaidoirie pour nous transmettre des informations techniques et historiques sur le fonctionnement du Parti communiste du Kampuchea démocratique. Mais, Monsieur Dutch, vous n'avez pas su avoir, nous n'avons pas entendu des paroles de profond repentir, d'excuses, de pardon et d'humanité vis-à-vis des victimes. Nous n'avons pas entendu, parce que vous n'avez pas prononcé des paroles exprimant une remise en cause fondamentale de la politique d'extermination d'ennemis imaginaires du régime politique auquel vous aviez adhéré avec enthousiasme et sans discernement. Monsieur Dutch, vous n'êtes pas un bouc émissaire, parce que les faits qui vous sont reprochés sont malheureusement une réalité. Mais vous êtes un symbole. Et c'est à ce titre que les partis civils à la procédure, les victimes du régime des Khmers Rouges de tout le Cambodge, attendaient de vous autre chose que cette dénégation de responsabilité, vous conduisant à plaider non coupable et à demander au tribunal votre acquittement. Vous avez manqué de courage sur le régime des Khmers Rouges. Vous n'avez pas su préserver les valeurs humaines fondamentales comme le droit à la vie de tout individu. Et ici, devant cette juridiction, vous avez manqué de courage devant la justice, devant votre peuple et devant votre pays. Votre seul avocat a exprimé une émotion profonde, a rappelé vos aveux, votre participation à l'instruction, vos larmes lors des reconstitutions, évoquant à ce titre un grand moment d'humanité vraie. Mais vous ici, vous n'avez pas réitéré ces aveux. Vous n'avez pas demandé fondamentalement pardon. Ce qu'attendaient avant tout
les parties civiles et les victimes. Vous n'avez pas su trouver le cœur des parties civiles et des victimes qui restent devant vous avec leur total désarroi. Je pense, M. Dutch, que vous avez manqué un rendez-vous que vous aviez avec l'histoire de votre pays, de votre peuple. De vos propres déclarations, on ne peut pas accepter les justifications de ce qui s'est passé à S21, des crimes et des tortures qui ont été commis au titre de la défense du régime politique. Lorsque vous avez vous-même dit 95% des détenus ne présentaient aucun risque pour le pouvoir politique. J'exprimais lundi que j'espérais qu'après avoir entendu les parties civiles, vous les comprendriez peut-être. Je constate aujourd'hui qu'il n'en est rien. Vous vous excusez déjà des 12 000 ou des 16 000 morts dont vous avez été responsable à S21. Vous n'avez pas su prendre de distance avec un régime que l'on a justement appelé une utopie meurtrière. Aujourd'hui, M. Dutch, vous êtes devant le tribunal, vous êtes seul, déjà vieux, et vous inspirez de la pitié. Vous aspirez aussi à cette pitié que vous n'avez jamais eue pour vos victimes. En conséquence, aujourd'hui, le seul espoir des partis civils et des victimes réside dans la décision que le tribunal prononcera. Et ce sera de votre seul fait. C'est effectivement la nature et le quantum de la peine qui sera fixée, qui fixera la portée de votre responsabilité. Je laisse la parole à mon confrère. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, il me reste 10 minutes, je serai donc très bref. J'ai entendu avec un grand intérêt la plaidoirie de maître. Nous avons bien compris à quelle hauteur de vue il entendait situer le débat. Nous avons saisi l'humanisme qui conduit sa réflexion. Vous nous dites aujourd'hui, mon confrère, que c'est votre dernière plaidoirie et que vous posez la robe. Vous savez, comme moi, que lorsqu'elle a été portée avec honneur, une robe d'avocat ne se dépose jamais. Nous savons qu'elle continuera de vous revêtir. Nous voulons, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, dire à notre contradicteur combien nous aurions apprécié à sa juste valeur un véritable plaidoyer de culpabilité qui aurait permis de rechercher la vérité, quelle qu'elle soit, et de s'approcher d'une juste sanction. To a fair sentence. Ce positionnement aurait constitué le pont would have served as dont j'avais voulu bridge, jeter les fondations lundi dernier. The bridge. And en regardant les parties civiles dans cette ultime confrontation, Monsieur Geng-Eng, pardon pour la prononciation, leur avait redonné l'espace d'un instant leur statut d'êtres humains. Only for a very fleeting moment, en soutenant ce regard, conferred upon them the status les of a victimes human being, avaient dépassé la haine so et that fixaient victims could transcend l'avenir. Hatred and turn towards the depuis, future. Since then, le réquisitoire des coprocureurs a permis de dégager the final submissions of the defense la portée have allowed us de l'implication personnelle understand de the scope of the accused person's implication évidemment during the time of the regime. Nous avons entendu en filigrane we have heard le discours nuancé de Maître Roux sur la culpabilité. Discourse évidemment, given nous avons entendu Mr. Roux on que tout n'avait pas été énoncé par l'accusé. Je me rends not compte, et je reprendrai en un instant ce que vient de dire Martine Jacquin, and I will reiterate nous attendions de la part des mots de sincérité. Of sincerity, pas des excuses convenues, mais un véritable élan.
but true contrition. Nous avons entendu une litanie de détails administratifs, un empilement d'événements, des dates, des numéros de dossiers, des numéros de code ERN. Nous avons entendu parler de choix erronés, de fondements juridiques bons ou mauvais des crimes. For the crimes that have been Mais charged. À cet instant suprême où le procès va But se finir, trial chamber, tout le monde va rentrer chez at the soi, conclusion retrouver of these proceedings, la vie quotidienne, when everyone leaves and returns to their où l'on vient daily lives. D'entendre requérir 40 ans de prison, où tout pourrait être dit, when a possible sentence of 40 où l'on years pourrait ouvrir son cœur down, parce que l'émotion submerge, open his heart because he is overwhelmed by emotion and yet we hear nothing. C'est consternant. This is most troubling. Consternant parce que l'on se dit que ce monsieur n'a rien compris. Perhaps this gentleman qu'il has est not encore understood dans sa méthode. A single thing. Perhaps he is Là still encore, in his on utilise methodical ces fameux mindset. Bas de page. Il est encore en plein dans le régime qu'il avait décidé de servir. Footnotes. Il est encore au he milieu Still, de la bureaucratie la plus absurde, ensconced in the most absurd bureaucracy, où la réflexion, la raison where reasoning, et la sensibilité ont été laminées. Et l'on absent. Est venu vous demander l'acquittement and the defense avec for his comme nécessaire corollaire pour les parties civiles l'irresponsabilité. Consequence. Il fallait oser. This is irresponsible. On l'a fait. They had to dare to do so, and yet they appréciera. Did. And I'm sure, Your Honours. L'intérêt majeur de cette juridiction internationale, nous l'avons tous dit, est de permettre la juxtaposition de cultures juridiques et judiciaires diverses et la construction d'un nouveau droit. Of various legal Permettez-moi, systems. Monsieur le Président, très rapidement Allow de me, President, faire état very d'une théorie qui existe en droit pénal français, plus exactement French de trois théories qui coexistent. Criminal law, or more Ce que l'on appelle la théorie de l'obéissance passive, Maître Roux la connaît laws, bien, that is the theory of qui conduit à justifier toutes les infractions Mr. commises very familiar with, et aboutit à ce que tout commandement that de l'autorité légitime that, soit un fait justificatif général. C'est la position adoptée par l'accusé. Celle dite as well as des baïonnettes intelligentes, c'est-à-dire la théorie où l'on dit que systématiquement il faut refuser un mauvais ordre. Systematically, et puis la théorie intermédiaire false order must qui consiste be à dire qu'on doit refuser un ordre illégal lorsqu'il est destructeur, abusivement cruel, et que le subordonné réputé intelligent peut et même doit refuser. Nous considérons deux choses. Que ce qui permet d'être un homme, tout d'abord, c'est le pouvoir de dire non. Et quand l'espèce And in these particular circumstances, the accused person had the leeway to enfin, say no. Et j'en termine. Lastly, and I will conclude N'oublions on these words, let us not forget dont that this trial, mon traducteur disait ce matin que nous construisons ensemble our opponent this morning said that together we are supposedly building a model that is being observed by the international community. L'on nous dit que dans d'autres enceintes judiciaires, on est déjà In passé à autre chose. Et la leçon d'humanité donnée dans le procès Obrenovich est tout à And fait admirable. Sauf quelques différences admirable. Notables, But there are a que few marked differences. Quelques abîmes nous séparent. There are Un, l'acquittement n'avait pas été plaidé. The two cases. Deux, il n'existait pas de parti civil. There were no parties, Trois, civil parties Obrenovich in the avait case. Conduit spontanément Thirdly, les Obrenovich enquêteurs auprès des fosses de ses prédécesseurs et n'avait pas to pris the mass la fuite.
and he had not attempted Quatre. To flee. Les familles avaient été indemnisées. Cinq. Were compensated. Le processus de réparation and the était process of reparations élaboré. Had been fully developed. Ai-je entendu ici Did I hear un seul in this instant court, une proposition one single time, en matière de réparation? Any discussion si about reparations? Je me contente d'écouter l'accusé, je me demande If même I rely si c'est passé quelque chose. On the accused words, Vous I don't avez think repris, Maître Roux, anything. Une proposition Mr. faite Roux, par l'une des parties civiles, Mme Martine Lefebvre, a suggestion that was made by one of the civil qui parties, Martine Lefebvre, proposait effectivement a que suggestion according to which puisse, au sein du Doric centre S21 aujourd'hui, would, rendre service à la collectivité S21 et would be able to serve prendre, par exemple, un emploi de cantonnier. Society. De cantonnier, oui. Pas de guide. Cet honneur revient This aux trois survivants. Honor belongs to the three survivors, not Il s'agit de reconstruire l'histoire et It de permettre aux parties civiles and to allow de the se la réapproprier. To regain Il ne ownership s'agit pas de réécrire l'histoire It's not a matter of à rewriting sa manière. History as one Comment pleases. Voulez-vous, Monsieur le Président, How, Mr. President? Madame, Messieurs, Your honors, que les parties ladies and gentlemen, puissent entendre can the civil sans parties que hear these words without having a reaction? 12,380 victimes à S21 people died in S21, and that it represents only 1% of all Puisque of the deaths. La défense a évoqué les enfants Since des sept survivants had de L13. Voulez-vous, s'il vous plaît, évoquer le sort des enfants des 12 000 morts de Toulouse? Il est, mon cher confrère, des pourcentages qui pèsent lourd My sur le cœur des hommes et des femmes. Are very Duc est mort. Heavy. Le chagrin des parties civiles sera of survivors. À perpétuité. Je vous And this will be the case forevermore. Thank you, Mr. President. The President, Civil Party Lawyer Group 4, you may now Group proceed. 4, je vous en prie, dit le Président. Mr. Hong Kim-soon. Maître Hong Kim-soon. I'm most grateful, Mr. President, due to time constraints and on behalf of the civil party lawyers and as a national lawyer, it is very heartbreaking to hear what has already been put by the defense. Those who have never gone through the Khmer Rouge regime would never ever experience such tremendous pain. And the comment made by Mr. Kasavut is very contradictory to what Dutch has already indicated. He has the right to talk in the legal context allowed, and I would like here to take Il this opportunity to express our pain, de mon côté the suffering. La peine et la souffrance des parties civiles. Mr. Hong Kim-soon continues, Mr. President, Monsieur le Président, is it convincing that Deutsch was not the most responsible person or the person who was classified in the senior leader position? Responsable de ce qui s'est passé.
I am a victim, and it is so hard for me to compose myself having talked about this. Par l'émotion. I am quite aware that I only have very little time, and I would like to apologize for not being able to control my emotion, and I would wish to state that I am still convinced that it was Deutsch who was the most responsible person at S21 who oversaw the execution of more than 12,000 people. Deutsch was the most trusted person by the party and trusted by Sun Zhen, who was the head or the commander of the army and the police, who had the authority to smash anyone during that time. So, having compared S21 to M13, these two institutions shared many things in common, and that Deutsch made it clear already that the execution was conducted even long before 1975. So, the experience Deutsch learned so far made the party trust him and promote him to be the chairman of S21 to make sure that it would be very easy for the party to get or extract confessions from the detainees at the detention facility. At M13, at Omliang, and the location where the dead bodies were buried, and where Deutsch said that there was a location next to M13 where people would be put to hard labor. And also there were other sites next to Beng Cheng Ek and Prey Saw, the same locations that were once used as the tempered locations, and that people would be detained and tortured. And Deutsch was quite familiar. And he said he could not escape. He said that he was just like a cock in a running machine. It was just like, it is a false argument, it's a lie, a complete lie. He did not make any decision to kill people, but he was the one who annotated on the death paper, the paper that upon which more people would be arrested or executed. There are ample of evidence to prove that Deutsch already under document D22/9, which is about the annotation of Deutsch to kill 125 people and leave some. And Deutsch already made a request to Ankar, who also approved of such request. So when Deutsch in law was accused or suspected and arrested, but Deutsch did not arrest them, why was Deutsch still free or at large? And why was not Deutsch prosecuted or punished by the party? He could enjoy freedom. And other victims, including Chum Nu, Bu Ming, and their relatives who were detained at S21 and who could not escape. And later, Chum Nu already made it clear that she could not escape because she was trapped in the system. And as I may reiterate again, that only the victims of the regime of the Khmer Rouge who would know clearly the suffering and the pain. And I would wish that the chamber maintain the motion or made by the prosecution to even put a harsh sentence onto Deutsch, and une peine plus sévère encore à Deutsch.
we would like the trial chamber to publish or to have the tribunal apologies of Kangkang Kyo Elias Doja broadcast on the radio. Et que ces excuses soient diffusées à la radio. The President, Mr. Hong Kong-soon, you may add some more if you would prefer, but you were rather fast. It was not good for the record, but you will be granted 5 more minutes in a more slower pace so that the interpreters could fully render your message. Utiliser ces 5 minutes qui vous restent en parlant plus lentement, s'il vous plaît, de sorte que Mr. Hong Kong-soon, thank you, Mr. President. I would like to add the last point. This tribunal is the internationalized tribunal. We are not violating human rights. Nous ne violons ici les droits fondamentaux de personne. We are not maintaining this justified position, then there would be more victims affected by the proceedings. Non pas cette action, il y aura d'autres victimes encore. But I think that even in the future, even 100 years in the future, and in order not to make the new generation forget what happened in the past, it would be the best idea that Deutsche statue is erected in his Khmer Rouge uniform and installed right in within the S21 vicinity so that people could see him as a criminal. Que l'on puisse avoir la mémoire de cette personnalité criminelle. Je vous remercie. The President, the rebuttal statement of the civil party lawyers entendu les répliques des parties civiles have already been concluded, and the 1 hour allotted to them has been well used. Qui ont mis à partie leur heure de temps de parole, mis à profit plutôt leur heure For de it is parole. An appropriate time to take the afternoon adjournment. The trial chamber will adjourn now. The session will be resumed tomorrow at 9 a.m. The chamber would like to inform the parties and the public that tomorrow's session, early in the morning session, will be reserved for the co-prosecutors to make their rebuttal statements, followed by the accused and the defense counsel. The security personnel are now instructed to take the accused to the detention facility and bring him back to the courtroom by 9 a.m. The court is adjourned. La greffière, veuillez vous lever.